Je dirais que, bon, déjà pour moi, le principe de la participation habitante a toujours été central, avant même de parler de questions de transition. Et pour moi, l'implication des habitants, c'est plus d'intelligence dans les projets, plus de créativité, par ce qu'on appelle l'expertise d'usage. Donc les projets sont mieux construits quand on le fait avec les habitants. Deuxièmement, les projets sont plus efficaces parce que quand les gens ont été associés, ils se sentent liés un peu par la production collective. Troisièmement, ça réarticule mieux la question du rôle des élus, le travail des élus et celui de la population et comprendre que fabriquer de l'intérêt général, ce n'est pas simple. Et donc, de mon point de vue, une démocratie plus participative renforce une démocratie représentative et ne s'exclut pas. Et au travers de ces processus de participation, les habitants se transforment puisque justement, ils entrent un peu comme des consommateurs et progressivement, ils évoluent comme des citoyens. Donc pour moi, la construction des politiques publiques au sens large requiert vraiment l'implication des habitants. Mais quand on est en transition, c'est encore plus vrai. Puisqu'il va y avoir des transformations intimes, on va devoir se déplacer au sens de modifier des comportements, des habitudes de vie, etc. Et donc ça va nécessiter l'implication de tout le monde. Il n'y a pas de changement des systèmes alimentaires et agricoles si d'un côté les producteurs, les agriculteurs ne changent pas, et si de l'autre côté les mangeurs ne changent pas également. Donc la transition va requérir tout le monde. Et donc, l'implication habitante est requise pour faire de la transition. Voilà, ce qui fait que pour moi, c'est absolument fondamental dans la construction des politiques publiques de l'Haut-Sangoël de le faire avec les habitants, du début à la fin, des projets. Et je dirais, dernier mot, que si on ne fait pas ça, on a en plus un effet absolument pervers, c'est que, la population évolue vers une posture de consommation d'action publique. En gros, c'est la phrase que connaissent tous les maires de France, je paye mes impôts, donc j'y ai droit. Et quelque part, la posture, c'est de dire, vous, les élus, ben, occupez-vous de l'intérêt général, c'est votre boulot. Et en plus, du coup, ça accrédite une espèce de posture anti-élu, alors que les élus, c'est juste des habitants qui, pendant le temps d'un mandat, acceptent de s'engager, de donner du temps, dans l'immense majorité d'entre eux, de manière bénévole, hein. Or là, on est dans une posture qui devient presque, oui, de consommation. Et donc, les processus d'implication citoyenne, moi j'insiste sur ces mots, sur ce mot, c'est pas juste demander aux gens ce qu'ils veulent. Ça, c'est presque monstrueux. Ben, qu'est-ce que je veux? Je veux tout. Moi, je veux aller en vacances, je veux de l'argent, je veux une grosse bagnole, enfin, quoi que non, ça quand même. Bon, mais et c'est pas vertueux comme approche. Voilà. Donc, pour moi, c'est absolument fondamental de travailler avec les habitants, de partir de leurs besoins, de travailler leur implication dans les projets. Une de mes formules, c'est participation sans responsabilisation égale piège à con. Et donc, du coup, c'est une participation habitante qui mène vers de la responsabilisation et de l'implication. Voilà, ça, c'est un peu ma recette de cuisine. Alors, quels seraient les ingrédients pour arriver à mettre en œuvre cette recette? D'une manière générale, je pense qu'il faut construire un état d'esprit de confiance. Et la confiance, ça met du temps à se travailler. Et ça veut dire qu'on doit être cohérent sur toute une série de rendez-vous avec la population. Donc, par exemple, bien sûr, schéma de base, les réunions publiques, à l'os, on en fait à peu près 200 par mandat. Les réunions publiques ne sont pas construites de la même manière. Il y a véritablement un travail autour de l'organisation de la pièce, autour des dispositifs qui vont permettre que les gens parlent dans des conditions correctes. On élabore des règles du jeu, on demande la parole pour pas que ce soit la cacophonie, on ne dit pas trois fois la même chose, et on donne une heure précise et de départ, une heure précise de fin. Enfin bref, on précise quel est l'objet de la rencontre. Bon, donc ça suppose la méthode. Et derrière la réunion publique, qui est construite avec des principes vraiment d'écoute, reformulation, une phase de vidage de sac et ensuite une phase de construction de réponse.
En tant que maire, j'exige, pas d'une manière autoritaire, mais qui est dans la semaine qui suit un compte rendu de la rencontre, qui soit diffusé à tout le quartier concerné et qu'il y ait de l'action rapidement dans les 3 mois pour montrer que l'implication des habitants est porteuse d'action et de résultats. Bon, ça, c'est le niveau le plus basique. Mais on a développé toute une série d'ingrédients et je vous invite à les regarder, enfin, j'invite les auditeurs à aller regarder le référentiel d'implication citoyenne qu'on a publié en allant sur le site de la ville ou sur mon blog. Et vous y verrez tout ça décrit dans le détail. Mais à partir de cette logique basique, on va beaucoup plus loin dans des processus de co-construction. Donc ça peut être co-construction d'une route départementale avec mise à disposition grâce au numérique de tous les plans, mise en place d'un forum de discussion, dire ce qui est amendable et ce qui ne l'est pas, à quel endroit il y a du grain à moudre pour la discussion. Donc beaucoup de forums numériques et de co-construction, ça peut être sur un skatepark avec les jeunes, ça peut être sur la réhabilitation, enfin bon, tous les projets de la ville sont en processus de co-construction. Et effectivement, si on monte encore d'un cran, on a l'exemple du système 50-50, qui là est à départ initiative d'habitante, qui la seule chose qu'on exige, c'est qu'il soit un groupe, c'est pas juste une personne qui dit je veux, et que avec ce groupe, on va discuter d'un sujet que eux ont envie de mettre au débat. Alors, ça peut être par exemple le sujet le plus basique, fleurissement de notre quartier. Élaboration d'un schéma de fleurissement et comme tout ça vient s'additionner au travail classique de la ville, puisque c'est à l'initiative des habitants que ça vient se greffer, élaboration d'un contrat dans lequel on va dire ce que la ville fait, ce que les habitants font. Par exemple, la ville amènera les jardinières une fois pour toutes et amènera tous les ans les fleurs au 15 mars et les habitants s'engagent à désherber et à arroser les plantes toute l'année. Et donc sur ce schéma de responsabilisation et de contractualisation qui vient en plus du métier de la ville. C'est-à-dire qu'on ne demande pas aux habitants de tondre la pelouse du stade de foot. Hein. Ça, c'est le boulot normal de la ville. Mais si on veut aller plus loin, ils ont cette capacité d'initiative, mais ils s'impliquent. Et on a aujourd'hui une cinquantaine de 50-50 qui vont de la réfection des chemins agricoles, la création d'un clubhouse dans la salle de basket, la réfection des vestiaires avec des peintures psychédéliques par les jeunes au club de foot. On a tout type d'exemples de ce type. Et chacun de ces espaces-là est un espace d'implication habitante sur du concret avec du résultat, de la fierté. Et donc, du coup, l'ensemble, alors là, j'en ai donné 3 exemples, mais dans le temps imparti, je vais m'arrêter là. Pour ça, je vous renvoie à notre référentiel. Mais c'est l'ensemble de ces processus-là qui vont faire que s'installe effectivement une posture générale où on ne lève pas les doigts en disant j'ai le droit, j'exige, mais que fout la mairie. On sait que rien va se faire dans le dos des habitants, les habitants le savent, donc ils seront associés à tous les projets de la ville, mais en contrepartie, ils sont appelés aussi à s'impliquer dans tous les projets de la ville. Ça peut aussi être par exemple sur la création des œuvres culturelles. On a fait un opéra pour enfants. Co-construit avec les enfants, les parents, des artistes, et mais on fait beaucoup de son et lumière, et tout est prétexte quasiment à faire ensemble. Et d'ailleurs, ma phrase de conclusion à cet endroit-là sera de dire, finalement, beaucoup de militants restent nostalgiques de l'éducation populaire. Qui suivaient l'après-guerre et des grands mouvements qui ont effectivement été très très importants et dont aujourd'hui on souffre de leur absence. Mais pour moi, faire la ville, s'impliquer dans la production de la ville, c'est une forme d'éducation populaire. C'est comprendre les règles, comprendre les normes, c'est avoir des propres espaces d'investissement personnel. Au début, on y va à minima, puis on ose parler de plus en plus fort, puis un jour, on prend des responsabilités. J'ai oublié de dire aussi tout ce qui est aide aux associations. D'ailleurs, on a eu un doublement du nombre d'associations depuis que je suis maire. Parce que ben, ça, tout ça génère de l'initiative habitante et crée un état d'esprit général. Voilà en quelques mots les ingrédients démocratiques de cette recette. Je pense que la participation, c'est un processus high-tech. C'est-à-dire, ce n'est pas juste dire, tiens, on va se réunir et puis on va discuter d'un sujet, quoi.
Et il y a un gros travail de préparation. C'est d'ailleurs un gros boulot pour les services municipaux et pour les élus. Avant d'entrer en coproduction, il y a tout un travail sur les notes préparatoires pour arriver à se saisir du sujet, sur un travail sur la formulation de ce qu'on va mettre au débat ensemble, un travail sur l'identification des parties prenantes d'un sujet. Si par exemple, c'était une de mes erreurs de début de mandat en 2000, bon, c'est un petit moment maintenant, de faire une réunion publique sur une salle avec un terrain de foot qui s'installait dans un quartier et où, enfin, terrain de foot synthétique avec possibilité d'y jouer la nuit et enfin en hiver, et une réunion publique où on invite juste les riverains du quartier. Et donc l'ensemble des riverains vient quasiment pour dire nous on n'en veut pas quoi. Vous vous rendez compte, il va y avoir des jeunes la nuit, il va y avoir du bruit, des voitures qui s'en vont, qu'est-ce que ça va nous donner? Enfin voilà, réaction de base de pas chez moi, quoi. Bon. Et l'erreur là, c'était de ne pas avoir identifié les autres parties prenantes, les jeunes qui jouent au foot, les parents des jeunes qui jouent au foot, les éducateurs de la ville. Alors dans d'autres réunions publiques, ça, sur la sécurité routière, par exemple, ça pourrait être la présence de la police. La présence de la police qui est chargée de la verbalisation ou pas, ou de la prévention, la présence du bureau d'études qui est capable de nous dire, réglementairement parlant, on a le droit de faire ça ou on n'a pas le droit de faire ça sur la voie publique. Donc, en fait, ce que j'essaye de dire par là, c'est que pour que l'implication des habitants soit féconde, il y a un gros travail avant la rencontre. Il y a une définition du coup de l'objet de la rencontre, il y a un timing qui est à prévoir. Par exemple, pour moi, à Los Angeles, les réunions, c'est 18h30-20h. À 31, c'est commencé, ce qui fait que les gens viennent à l'heure. Et il n'y a pas ceux qui viennent là, qui attendent un quart d'heure, 20 minutes, que les derniers arrivent en retardataire, etc. Et 20h, c'est la deadline. C'est pas 21. Parce que s'il n'y a pas une date, un horaire de fin, excusez-moi le mot, il vient de mon passé, mais un peu médical. Ça fait de la diarrhée verbale, quoi. Après tout, on remet toujours tout en question, et puis voilà, la réunion dure. Et à 21h, il y a plus que 5 personnes, c'est les plus résistants. Et ils pensent peut-être d'ailleurs qu'ils vont emporter le morceau en étant résistants. Et ça, ce n'est pas de la participation citoyenne. Donc tout ça, ça compte beaucoup. Mais comme je le disais tout à l'heure sur la question des ingrédients, il y a des ingrédients, il y a une préparation, mais il y a aussi un service après cuisson, et dont les relevés de décision, la diffusion des relevés de décision, l'identification des passages à l'acte et même une évaluation plusieurs mois après. On reprovoque des processus d'évaluation avec la population, avec les riverains d'un quartier. Sur un sujet d'aménagement donné, pour vérifier si ce qu'on avait dit est conforme aux espoirs, et effectivement, est-ce qu'il ne faut pas changer, ajuster, voilà. Et c'est l'ensemble de la préparation, de la cuisson et du suivi, qui va faire que ça fonctionne finalement. J'en ai plein. Mais il y en a un qui, quand j'essaye de réfléchir à quelque chose qui est un petit décalage, en fait, je dirais que c'est toujours dans toute rencontre de ce type, il va toujours y avoir un moment où je vais parler vrai, très, presque très cash, où je vais parler pas de toi, par exemple. Du genre, ouais, je vais aller à la réunion, puis je vais le dire à Schmer, je n'ai marre. Bon, et donc, en formulant quelque chose qui est sur une tonalité différente, qui est sur une voix qui s'accentue, une façon de parler qui sort du langage techno convenu, ça rappelle aux gens, alors c'est peut-être, est-ce que c'est une manipulation? Je ne pense pas. J'espère pas, mais ça rappelle aux gens juste que moi je suis comme eux, enfin je suis de là quoi. Je suis de la commune, je suis un habitant de la commune
Bon, simplement, je suis dans une position où le temps que les gens votent pour moi et où je me présente, j'occupe une fonction. Mais fondamentalement, ce que les gens disent, moi-même, je le ressens en tant qu'habitant. Il y a plein de choses qui m'énervent dans la façon dont ça fonctionne. Et donc, d'être en parler vrai, en parler cash, crée une proximité. Je ne suis pas dans une posture surplombante. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis. Je suis dans la mêlée, je suis comme eux, je suis deux, enfin, on est ensemble. J'exerce cette fonction le temps du mandat, mais fondamentalement, je vais prendre une bière au bistrot comme d'autres, je vais au match de foot comme d'autres, mes enfants vont à l'école de l'os, enfin voilà. Et donc, du coup, ce petit ingrédient-là, il est, de mon point de vue, il crée du décalage et. C'est comme l'humour, quoi. Il va permettre de. Il faut souvent faire de l'autodérision. Je me moque de moi-même, par exemple. Et du genre, je dis, bon, voilà, faut pas être en retard. Et puis, résultat des courses, c'est moi qui ai 2 minutes de retard, quoi. Vraiment. Bon, voilà. Et du coup, ça met tout le monde à l'aise et on n'est pas dans une recherche de la perfection. Et je dirais que dans la question, il y avait une deuxième formulation sur. Enfin, qu'est-ce que j'en retiens? Peut-être, je reformule peut-être pas très bien, mais en état d'esprit et en mise en perspective. Pour moi, en fait, ce qui se joue là, à l'échelle de tous ces processus d'implication habitante, c'est bien sûr l'amélioration des projets, hein, ça c'est sûr. Mais avant tout, c'est de travailler avec les habitants cette idée de reprendre prise. Parce qu'on est dans un système où on a l'impression, on nous ment surtout, enfin, voir les théories du complot qui émergent à tout point de vue, où on a l'impression que tout se fait dans notre dos, qu'il y a une coupure profonde avec les élites, les experts, on les décrit, les élus, on les décrit, les journalistes, on n'en veut pas. Enfin, on est dans un moment extrêmement difficile. Et le fait de reprendre à l'échelle locale la construction de projets, c'est une façon de retrouver prise. C'est une façon de retrouver confiance en soi-même, dans son rapport au collectif. Et c'est une façon de faire collectif aussi. Et donc, du coup, il y a à la fois le contenu des projets qui est amélioré, mais il y a quelque chose qui se passe dans le corps social de la ville qui est très précieux. Voilà, pour toutes ces raisons-là, pour moi, vraiment, une démocratie plus implicante, j'ose plus employer moi le mot participatif parce que souvent il est associé à venez donner votre avis, quoi. Or, de mon point de vue, ça je l'ai dit, ça marche pas. Mais une démocratie qui implique réellement les acteurs, de mon point de vue, c'est absolument fondamental à tout point de vue. Dans une période de défiance absolue, ça participe de la capacité à retrouver confiance et de la capacité à entreprendre. Ça part d'abord d'un constat, c'est qu'on ne peut plus aujourd'hui, face à la complexité de la vie, imaginer qu'un bulletin de vote une fois tous les 5 ou 6 ans donne un pouvoir absolu à une personne, à une institution. Ça marche plus, c'est plus légitime, c'est légal, mais c'est plus légitime. Et donc, je crois qu'une décision est légitime, c'est pas tellement par rapport à qui la prend, mais comment elle est prise. Et donc, ça pose la question de la démocratie, comment décider ensemble. Et je pense qu'il y a à considérer que, parce qu'on entend des discours un peu faciles sur une forme de citoyennisme dont parle Loïc Blondiaux, il suffirait de ne pas être élu pour avoir raison, en fait. Comme si le commun, c'était l'addition des envies, des égoïsmes, comme s'il n'y avait pas besoin, dans une démarche de décision, de quelque chose qui nous transcende, qui va du singulier à l'universel. Et donc, je pense qu'il y a un mot qui traduit l'exigence démocratique, et d'une certaine manière l'idéal démocratique, c'est la démocratie-construction. Parce que tout processus, toute décision est un processus. Ce n'est pas un état, ce n'est pas un avis simplement, ce n'est pas une petite consultation, ce n'est pas de peindre la démocratie d'un peu de participation. C'est une démarche exigeante, inclusive, qui fait que l'ensemble des ressources de sens, à un moment donné, dans une séquence démocratique, se donne le temps, à travers une institution comme celle que nous avons mis en instance
comme celle que nous avons mise en œuvre à Kinderstein d'une manière régulière, c'est-à-dire les conseils participatifs, qui sont des instances de co-construction et qui mettent en avant, en fait, la fonction démocratique la plus difficile, la plus exigeante, qui nécessite une slow démocratie, une démocratie lente, d'aller au fond du sujet, c'est la co-construction. Et je crois qu'il y a trois fonctions essentielles en démocratie, la fonction du débat, de la délibération, la fonction de la décision, mais entre les deux, on oublie toujours cette dimension de prendre le temps, de co-construire des propositions, de voir comment on peut construire des compromis dynamiques qui fassent avancer les choses, dans l'idée d'une métamorphose dont parlait de Guermorin. Et donc la démocratie construction, elle est là, c'est-à-dire que pour chaque projet, on met en agenda une séquence démocratique, et donc la démocratie construction, elle est habitée par un état d'esprit, elle est surtout continue, non pas au sens d'une démocratie en continu avec des palabres sans fin, mais d'une séquence qui prend en compte une question en jeu ou la construction d'un projet, avec l'idée que toutes les personnes sont invitées, avec l'idée que le rôle du politique, c'est de donner du sens si c'est un projet municipal, le rôle du politique, c'est de se mettre à l'écoute si c'est une pétition, le droit d'interpellation, et à l'issue d'une première réunion publique qui est une réunion forum, de permettre l'expression de tous des peurs, très important que les gens puissent verbaliser les peurs, les premières préconisations, les premières propositions, et cette assemblée instituante dédiée à un conseil participatif de 80 personnes, 100, 60 personnes, composé des quatre collèges qui représentent la société, collège des citoyens, volontaires et tirés au sort, élus majoritaires et minoritaires, collaborateurs et experts extérieurs, organisations, syndicats, associations, etc., de se donner le temps de confronter les points de vue, de fertiliser les points de vue différents pour faire des propositions. C'est la phase décisive. La démocratie construction, c'est cette phase décisive dont l'impact doit être réel sur la phase décisionnelle qui est celle des élus et qui donc traduisent non seulement une légitimité par l'élection, ils sont élus, mais la légitimité par le processus d'une démocratie construction. L'idée, c'est que chaque séquence, pour chaque projet, il y a une séquence démocratique. Par exemple, les 10 dernières années, on a 40 projets structurants, donc 40 séquences démocratiques. Et dans chaque séquence, on confie à un conseil participatif dédié, donc il y a autant de conseils participatifs différents qu'il y a de projets, d'aller au fond du sujet. Le troisième ingrédient, en effet, c'est la maison de la citoyenneté. J'ai toujours trouvé bizarre, voire saugrenu, qu'on ait des lieux pour toutes les activités humaines, pour l'école, pour les enfants, pour l'éducation, et c'est très bien, bien sûr, les usines pour produire, des stades de sport, des équipements culturels, et puis il n'y aurait que cette petite salle du conseil municipal, dans l'entre-soi des élus, ou quelques chaises où on peut accueillir les habitants, pour donner du sens, de la permanence au débat public. Et donc, je me dis, dans ma commune, ce qui me paraît essentiel, c'est qu'il y ait des lieux culturels, il y a des écoles, mais qui est aussi une maison de la citoyenneté, c'est-à-dire chacun éprouve ce passage du singulier à l'universel, ce qui traduit d'ailleurs la citoyenneté. Ce n'est pas parce qu'on est élu qu'on est seul citoyen, et ce n'est pas parce que les citoyens ne sont pas élus qu'ils n'ont pas droit à la parole, et c'est l'idée que dans ma commune, chaque personne, en mettant à disposition une maison de la citoyenneté qui est la maison de tous, eh bien chaque personne singulière, unique au monde, est capable de penser, de réagir, de se mettre en colère, de s'indigner, mais aussi de construire, de co-construire des propositions. Et donc, je dis bien, c'est la maison de la citoyenneté, c'est-à-dire la capacité de faire non seulement communauté, mais de faire société. Et c'est ça l'enjeu majeur d'une démocratie qui ne soucie pas de faire à la place des gens, mais de permettre à chacun d'éprouver ce cheminement compliqué entre le jeu singulier et le nous universel. Et donc c'est un lieu symbolique, mais qui traduit aussi par l'organisation des trois espaces qui constituent cette maison, qui traduit un peu l'idéal démocratique. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré que quand on regarde en fait ce qui se passe depuis une trentaine d'années, on a en nous et parmi nous, entre nous, trois cultures démocratiques, trois cultures politiques qui s'ignorent, ce qui fait qu'on jamais on peut s'entendre. Il y a la culture de l'indignation, et c'est tout à fait essentiel, qui est donc par extension la culture de la résistance, de la colère, du contre-pouvoir. Et puis il y a la culture de l'utopie, de cette vision
de ce qui est à advenir. Et un politique n'a pas une vision, mais à quoi sert-il? Et donc, comment la partager avec les habitants, d'avoir une vision de transformation? Parce que la démocratie ouverte, ce n'est pas seulement des principes, c'est aussi des valeurs. Ce n'est pas seulement des techniques, c'est aussi des valeurs. Et la troisième culture politique, c'est celle de l'engagement. C'est bien de s'indigner, c'est bien de rêver, mais en même temps, c'est bien de s'engager. Et l'idéal démocratique, dans les processus lents de construction de compromis dynamiques, c'est de permettre, au fond, à chaque culture de s'exprimer, et puis à un moment donné, ne pas s'ignorer, mais de passer à quelque chose qui nous dépasse et qui construise des compromis dynamiques. C'est à la fois Habermas, sur la délibération, et aussi Chantal Mouffe, c'est-à-dire comment la colère peut devenir construction. C'est ça l'idéal démocratique. Alors, je ne dis pas que c'est parfait, mais c'est juste l'idée que arrêtons d'opposer systématiquement ceux qui s'indignent, ceux qui s'engagent et ceux qui rêvent. Alors, il y a plusieurs exemples, mais je vais prendre l'exemple de la maison de la citoyenneté, en fait. Elle devait se construire à côté de la mairie, sur la place de la Liberté. Et il se trouve qu'un adjoint a signé un permis de démolir sur une zone agricole d'une vieille ferme qui se trouvait être une ferme d'Imières. Et donc, on a eu, par rapport à ça, une pétition portée par la Société d'Histoire en disant « c'est scandaleux de détruire une maison patrimoniale du 15e, du 16e siècle », ce que j'ignorais d'ailleurs. Et en même temps, les riverains ont pétitionné aussi parce qu'ils ne voulaient pas qu'à la place de cet espace agricole, il y ait des nouveaux immeubles et surtout des immeubles sociaux. Et ça, il y a toujours une réaction négative par rapport à ça. Je me souviens quand je l'avais fait « Parlons ensemble de notre ville », une consultation en 98, 82% des habitants ne voulaient pas de logements sociaux. Donc, réaction classique à la fois des sociétés d'histoire et des riverains. Et alors, évidemment, je me dis, là, c'est une séquence démocratique à ouvrir. Il y a une colère. Et donc, on a ouvert une séquence démocratique en associant les 1000 signataires vers une réunion publique et la société d'histoire, et on a dédié un conseil participatif de trouver un compromis. Eh bien, la maison de citoyenneté, c'est le fruit du compromis. C'est-à-dire qu'on a gardé, on a décidé de déplacer la localisation de la maison de citoyenneté sur cet endroit-là. Bien nous a pris, puisque c'est une zone agricole, donc on a été aidé par les fonds européens, et comme quoi la colère peut aboutir à des choses intéressantes sur le plan financier. On a réduit la voilure en matière de construction, mais on a gardé les équipements, les immeubles sociaux dont on avait besoin parce que ça, c'était non négociable. On n'est pas dans les 20% des logements sociaux. Et ça, les gens ont pu le comprendre. Et la société d'histoire, au sein de la maison de citoyenneté, dans l'espace Jean Jaurès, qui représente l'utopie, le rêve, etc., des vitrines pour exposer un certain nombre d'éléments, de travaux qu'ils font sur la mémoire de Kingersheim. Et donc, au total, nous avons réussi à faire la synthèse entre l'indignation des uns, l'engagement des autres et l'utopie des derniers. Et donc, c'est un exemple concret d'une séquence qui a pris du temps, mais ça a été le départ de dire, c'est parce qu'on a signé un permis de démolir qu'on a eu raison. Il y a toujours une part d'humilité dans l'acceptation d'une critique, mais aussi dans la capacité de refonder une décision, et surtout de relégitimer une décision à partir d'une séquence démocratique. Et je suis très content que la maison de citoyenneté, par sa localisation même, ait fait l'objet de cette séquence démocratique. Le rôle des élus qui vont arriver là, qui sont élus, va être plus important que par le passé, à condition qu'ils considèrent leur commune ou leur territoire comme des espaces de transformation et d'excellence humaine. C'est-à-dire que, pour résumer, il y a parfois plus important que de réparer un trottoir, et que même s'il faut le faire. Et je pense qu'il faut qu'ils aient le courage de considérer désormais non pas l'individu comme horizon de tout, mais le citoyen, partie prenante de la vie publique, et que cette dimension est essentielle. Et que, deuxièmement, je pense qu'il ne faudra pas se suffire du résultat, ce qui est le processus qui est important. C'est dans le processus de la co-construction que se font les transformations. On ne fera pas un plan climat territorial sans les habitants. C'est avec eux, avec les ressources de sens, avec les différentes ingrédients, différentes sensibilités, les associations, les entreprises, les citoyens. C'est comme ça qu'on a produit un plan climat territorial au niveau de l'agglomération qui s'est traduit par une diminution de 36% de production de gaz à effet de serre en 10 ans, parce que la transition écologique ne se fera pas sans transition démocratique. Et donc, j'ai envie de dire aux élus, posez-vous. Vous êtes élus, beaucoup d'entre vous, à cause du Covid, avec très peu de voix.
nous ne sommes pas légitimes seulement par les élections. Et que la légitimité d'une élection, d'une décision, ça va être le symbole de la modestie, de l'écoute, de l'humilité. Ça va être le souci des deniers publics et donc fait avec les habitants. Et ça va être systématiquement le processus. Et donc, posez-vous la question, avant chaque projet, comment je vais associer les citoyens? Comment on va coproduire de l'intérêt général? Comment on va construire du commun qui n'est pas l'addition des envies? Si vous avez ceci en tête, le reste viendra. On aura démocratie ouverte et d'autres ressources pour nous aider sur la technique, parce qu'il faut de l'ingénierie démocratique. Ça ne s'improvise pas. Et souvent, les maires se sentent seuls parce qu'on n'est pas des professionnels et qu'on a besoin d'ingénieurs du débat public comme vous pour avancer. Et donc, prenez le temps, avec les collaborateurs, des séminaires, dire voilà, on est élu, on a une vision, on a peut-être un projet qui est coproduit avec les habitants, comment on va le mettre en œuvre concrètement? Comment on va aussi faire accepter que surgissent de la ville, de l'espace, du territoire, des préoccupations qu'on aura appris à entendre pour cheminer avec eux et trouver des compromis dynamiques? Donc voilà, l'idée c'est qu'on change de paradigme. Le rôle de l'élu, contrairement à ce que j'ai pu entendre de la part des Gilets jaunes, la représentation est importante. Nous avons besoin de représentants. Mais vous ne serez représentant non seulement par le vote, mais par les processus que vous mettrez en œuvre avec les citoyens, avec les ressources de sens pour mieux décider ensemble.